Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un haul action, donc comme j'aime. Donc je vais vous montrer un peu beaucoup de choses, toutes les petites choses que j'ai achetées depuis que j'ai été 3-4 fois au moins chez Action. Donc je vais vous montrer toutes les petites choses que j'ai achetées. Alors, si je peux voir chez Action, mais je mets dans le sac. Des vieux trucs. Alors, j'ai acheté ce câble-ci. Alors, faudrait que j'ai comment ça s'appelle bon? Les tickets de caisse. Ça s'appelle bon. Ah bah tiens, sinon je cherche ça aussi. Bon, alors il y aura. J'ai gardé tous les tickets de caisse, mais je ne sais pas où est l'autre. Donc j'en ai un déjà. Je crois que j'en ai deux tickets de caisse. Alors, donc un câble qui doit coûter au moins 2 euros, je pense. Donc voilà, avec plusieurs ports USB. Donc j'en ai déjà acheté un. J'en avais acheté un blanc. Hein. À ce que j'ai compris, il faut mettre ça sur un port USB, donc ordi ou autre. Et en fait, avec les deux autres, vous pouvez charger vos téléphones avec. Sauf que celui-ci, il ne fonctionne pas du tout. À moins que je ne comprends rien et que je suis pas très douée. Mais celui-là, il ne fonctionne pas. Alors, du coup, j'en ai racheté un autre parce que mon chargeur est pourri. Et qu'il faudra que j'achète un autre chargeur d'iPhone. Voilà. Alors ensuite de chez Action, j'ai acheté ceci. Donc c'est des petites cartes, vous savez, pour mettre sur les cadeaux. Donc voilà. Donc en fait de chaque côté il y a un petit stick différent. Donc ça va pas nous coûter plus d'un euro cela. Donc il y en a 24 à l'intérieur. J'en ai racheté ceux-là aussi, j'aimais beaucoup. Oh, j'ai dit pourquoi pas. Ça coûte pas très cher, alors j'ai pris ceux-là. Et pour finir, j'ai pris ceux-là. Je les aimais beaucoup. J'ai dit bon, pourquoi pas. Là, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Voilà. Alors ensuite, j'ai acheté une petite palette. Toujours chez Action. Hop, on regarde de l'autre côté, ça sera plus simple. Évidemment, j'ai pris ça, mais j'ai pas pris de quoi enlever tout, mais c'est pas grave. Alors, j'ai déjà fait des swatchs. Voilà à quoi elle ressemble, elle est toute petite par contre. Il y a une des palettes de chez Action, la plus grande. J'ai trop adoré, mais celle-ci est déjà. Vous allez voir les swatchs. Vous allez voir qu'en fait, alors je sais pas si vous allez bien parce que pour le coup je l'ai un peu mal mis. Donc au final, au bout là il y a de la poudre en fait. Je sais pas si vous allez le voir. En fait, à chaque bout il y a la poudre et en fait il faut bien l'étaler quoi. Sinon c'est pas très bien. Donc en fait ça poudre beaucoup. C'est un peu beaucoup de poudre. En fait, la poudre, elle s'enlève et c'est pas pratique parce que ça reste dans les yeux, etc. Alors ensuite, j'ai pris les deux mêmes. Les deux ont la même fonction, hein. Mais blonde que je suis, je pensais que ça faisait pas la même chose parce que là, il y avait marqué matifiant sur celui-là. Et sur celui-là, il y avait marqué illuminant, quoi. Et en fait, en regardant au dos, j'ai vu que c'était exactement la même chose. En fait, c'est... En fait, c'est des bases quoi. Voilà, voilà. Donc j'ai été zéro pour le coup. Ensuite, j'ai acheté cette palette-ci. Je voulais l'acheter, j'ai acheté la rose, vous savez, avec le contour rose. Et bah du coup, je voulais acheter celle-là parce que j'aime bien celle-là. Et je sais pas pourquoi en ce moment j'adore avoir plein de maquillage, je sais pas pourquoi.
Donc là, vu qu'à chaque fois je vois qu'il y a des nouveautés actuellement, bah j'y vais et je prends les petites nouveautés qu'il y a. Bon, ça c'est pas une nouveauté, hein, ça fait longtemps qu'elle y est. Donc c'est des illuminateurs. Donc après, vous pouvez mettre ça sur la base à paupières, sur les paupières, hein, y a pas de souci. Pareil, comment dire, elles. Ah non, ça va, elles sont bien. Ah, je croyais qu'elles allaient. Que ça allait. Voilà. Un premier swatch. Un deuxième swatch. Donc en fait, j'ai fait celui-là et celui-là. Je vous ai swatché. Donc voilà. Donc, ils sont très bien hein, parce qu'ils brillent vachement. Enfin, vous voyez pas énormément. Mais moi, là, avec le peu de lumière que j'ai, je vois qu'ils brillent. Donc je suis désolée si vous voyez. Si je suis un peu dans le noir. Hein, mais c'est que. C'est qu'il fait pas beau aujourd'hui et que j'ai pas d'éclairage. Alors ensuite j'ai pris ceci, mais je crois que je l'ai dans. J'ai acheté le calendrier de l'Avent Action. Et je vais pas vous le montrer. Enfin, je vais garder pour moi perso. Mais je vais vous montrer un autre calendrier. Faire une vidéo sur le calendrier de chez Stokomani, je crois. Alors il y a celui-ci, c'est un illuminateur. Pour mettre en valeur les pommettes. Ouais, c'est ça, illuminateur. C'est avec un petit pout-pout comme ça. Sauf que chez Action, on ne peut pas regarder. Et en fait, quand tu pout-pout, et bah au final, bah il n'y a rien qui sort. En fait, le truc, si vous voulez, il est carrément. Je sais pas comment trop vous dire. Vous expliquer la chose. Mais en fait, j'arrive plus à prendre dans. En fait, j'arrive pas à prendre dans la pipette, quoi. Donc c'est pas. Top, mais bon après sinon après c'est super joli hein. Après il y a juste à prendre un peu mais il est super joli, c'est le tout le premier en haut un peu rosé. Bon là il fait un éclairage de merde aujourd'hui, c'est rose, très rosé hein. Mais du coup je vais pas aller en acheter un parce que je crois que dans le calendrier d'Action il y est dedans, enfin il y en a un des deux qui est dedans parce qu'il y en a plusieurs. Et du coup bah je vais pas aller m'amuser à en racheter un autre alors que je l'ai peut-être dans le calendrier de l'Avent. Et du coup pour le calendrier de l'Avent, Action je vais devoir attendre parce que je le comment dire, je le 1, 2, 3, 4, je le, comment vous dire, je le teste que enfin je l'ouvre que pour le nouvel an, pas nouvel an mais pour Noël quoi. Avant Noël, quoi, le mois de décembre. Parce que oui, je sais, je suis encore une enfant. J'aime bien faire ça. Quoique, je pourrais vous montrer, mais bon, j'aime bien. Ça m'éclate. Voilà. Petit esprit enfantin encore à moi. Ensuite, j'ai celui-ci. Parce que du coup, je suis en train de le déballer, mais je vous montre pas. Accentuer et donner de la brillance aux traits du visage. C'est un illuminateur glow. Ah, j'ai pas le bouchon. Alors, il est comme ceci. Ah, c'est dommage, ça fait pas beaucoup, hein. Voilà. Illuminateur. Oh, il y en a pas mal dedans. Oh lolo, j'adore, j'adore, j'adore. Ah, moi, au départ, je pensais pas que c'était ça. Je pensais que c'était pour faire le contouring. Et en fait, non, pas du tout. Il est. Attendez, je vais en mettre plus par là, je pense. Ah, vous voyez rien. En fait, en même temps, il est un peu à la couleur de ma peau. Là, vous avez peut-être pu voir, il est là. Enfin, en fait, c'est très couleur de ma peau et en fait, ça brille. En fait, tu ne voyais pas, mais tout là, moi, ça brille. Et non, j'aime bien. Par contre, il est super bien. On peut bien l'étaler, j'adore. Voilà, j'ai passé 10 ans sur ce produit, j'adore. Simplement que j'adore, voilà. Voilà. Oui, il y a beaucoup de produits de make-up parce qu'en fait j'ai pris petit à petit et au final, voilà. Donc deux gloss, voilà. Donc je vais vous swatcher celui-là. Ou je peux vous swatcher les deux, hein, de toute façon après, je vais les ranger. Après, je crois qu'il y a plus de make-up.
Donc ça c'est des... C'est même pas des rouges à lèvres, c'est des gloss plutôt. Lipstick. Donc ouais. Gloss quoi. Lipstick, gloss quoi. Voilà, j'espère que j'aurai assez de batterie pour tout vous montrer. Donc voilà. Hop, la marque Max & More, bien évidemment. Ah ouais, c'est gloss. Ouh, il est super joli par contre. Bien évidemment, bien joué Mélanie. Vous n'allez pas pouvoir voir correctement. Voilà. Un bon swatch bien pourri que je vous ai fait là, le deuxième. Donc voilà, donc l'autre il est pareil, donc ça n'a pas coûté 2 € plus que 2 euros, donc il est super beau. Il colle pas trop, donc ça va. Ensuite, j'ai encore une... Non, même pas une palette, la palette, je vais vous montrer d'abord la palette. La palette qui est ici, c'est une des nouvelles palettes qui est sortie, qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Voilà, je prends du sketch. 11 minutes. Donc voilà, donc je vais pas vous swatcher parce que, enfin si je peux peut-être vous le swatcher, les premières couleurs. Alors je vais essayer le rose, de vous swatcher le rose. Ah, il est pas poudreux. Bon évidemment j'ai pris une couleur que vous allez pas avoir grand chose. Non franchement c'est pas mal. C'est pas mal. Avec un petit miroir à l'intérieur. Donc voilà, vous allez vous voir dans des téléphones. Et non, non, franchement, j'aime beaucoup. Petit crayon, moi je m'en sors pas, je m'en sors que de mes crayons en moi. Mais franchement, sympa. Elle a dû me coûter même pas 5 euros celle-ci. Alors ensuite, avant de passer aux rouges à lèvres, parce que les rouges à lèvres, j'ai quand même pas mal à vous swatcher. J'ai acheté des pochettes chez Action. Il y en a 4 pour même pas 2 euros. Donc moi, il me fallait des pochettes pour ranger mes papiers. Donc voilà, donc c'est nickel. Et ensuite, j'ai pris deux petits paquets comme ça. C'est pour faire des petits cadeaux, pour mettre ça, genre si vous vous offrez des boucles d'oreilles ou autre chose. Vous mettez ça dedans et j'ai trouvé ça super mignon avec les grandes derrière. Donc j'ai trouvé ça super mignon. Donc ça, c'est pareil, ça doit coûter 90 centimes à tout casser. Ensuite, bien évidemment, j'ai pas de ciseaux à côté de moi comme d'hab. Alors, je vais essayer de vous swatcher les... rouge à lèvres parce que du coup il y a une rouge à lèvres et il y a une boîte avec. C'est ça que j'ai kiffé en fait, c'est d'avoir une boîte en fait. Voilà, je suis peut-être pas très douée. Alors je vais essayer, je m'en fous partout. Heureusement que mon pantalon il va au sale. Oh, ils sont tout mini. Oh, trop bien. Ah oui, c'est vraiment des mini mini mini. Ah oui, donc alors, je vais mettre ça là. Alors, lui, je suppose que vous n'allez pas voir. Ah, si, vous voyez quand même. Ah, c'est des tout mini, c'est trop mignon. Ah oui, ça, à offrir, c'est sympa. Même si vous offrez pas tout le paquet, si vous en gardez quelques-uns, non, ça peut être sympa. Ensuite, il y a le rose. Ils sont tout mignons à chaque fois. Par contre, il y a beaucoup de matière à l'intérieur. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, il y a celui-ci. Il n'y a pas de numéro. En fait, à chaque fois. Celui-ci. Un peu plus rosé. Ensuite, un peu plus foncé. C'est ceux que je vais bien aimer, je pense. Le plus foncé, voilà. Parce qu'en ce moment, je suis très foncée. Voilà. J'ai de la chance, je ne l'ai pas cassé, mais par contre, je dois en avoir partout. Ensuite, nous avons celui-ci, c'est pareil. Hein. Les quantités, c'est à peu près les mêmes quantités à chaque. Oh lolo, celui-là, il est super beau. Oh, j'adore, je kiffe, je kiffe. Voilà. En plus, c'est pratique, c'est que c'est tout petit, il n'y a pas besoin de d'énormément, tu vois. Oh bah lui, il a bien swatché. Hein. Oh, un énorme truc. Donc voilà, donc en fait ça démarre de là à là. Voilà. Donc les trois derniers, vous avez l'impression que ces deux-là se ressemblent, mais lui est beaucoup plus clair que celui-là en fait. Donc voilà. Alors je vous ai montré tout ce que j'ai acheté de chez Action. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus
et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai pas énormément de monde. Mais le peu que j'ai, le peu de monde que j'ai, et ben je vous remercie d'être là depuis le début. C'est super sympa de votre part et j'espère que les vidéos vous plaisent. Et si vous avez des idées de vidéos, ah pas cher bien évidemment, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je fasse des vidéos autres que celle-ci. Des vidéos Party Light arrivent bientôt, je vais essayer d'en faire. Et il y a une vidéo calendrier de l'Avent qui va arriver incessamment sous peu, je pense, après cette vidéo, qui sortira après cette vidéo. Voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, ma phrase du jour, ça ne va plus être profitez bien du soleil. Mais bon, profitez bien de votre couverture au chaud. Voilà, du chauffage. Voilà. Bon, bah, je vous dis à très vite. À bientôt.